Mesdames et messieurs, salut, bienvenue sur Haitian Public Media, je suis Abner Gelin. C'est toujours un plaisir, chaque fois que j'ai une chance pour me là. Moi, je voulais dire merci à tous les amis, fanatiques et familles, quel que soit côté courrier. Bienvenue sur Haitian Public Media et bonne journée. Je vous encourage aussi à vous faire ça pour subscribe. C'est facile, c'est simple. En bas, vous pouvez faire ça. Remets la vidéo, nous tous devons faire. Il y a un petit bouton qui semble un pouce. Cliquez sur l'icône là. Faites commentaire. Et là, fini, je vais vous partager avec tout le monde que vous connaissez depuis que vous pensez à venir bagay. Les États-Unis sont un pays qui est puissant. Mais ça qui rend le pays ça, ça qui est lié, c'est l'union entre tous les États. États qui décident pour obéir à une seule constitution, pour respecter la loi pays et protéger l'un avec l'autre. Eh bien, mesdames et messieurs, semaine ça là, il y a un député des États-Unis qui fait une déclaration, un bagaille qui baille en pile monde tête fait mal. Il s'agit de Marjorie Taylor Greene, un député dans l'État de Georgia. Eh bien, Marjorie, c'est un politicien vraiment qui est radical. Il fait partie de latéral droite, radical conservative, anti-immigrant, anti-service social, anti-droit, anti-vote. Yon qui voulait que les États-Unis transformer comme un pays autocrate, dictatorship, yon supporter de Vladimir Poutine, nous capable le camper là, à côté de Donald Trump. Semaine ça là, majorité leur green mandé pour que les États-Unis fassent un divorce national. Ça veut dire. Li dit que li le temps pour que les États-Unis fassent un divorce national. Ça veut dire que les démocrates doivent faire un État et les républicains doivent faire un État. Ça veut dire séparer le pays en deux parties pour que les gens qui croient dans la politique républicaine puissent rejoindre ensemble et ceux qui croient dans la politique démocrate puissent rejoindre l'autre côté. Et pays a poil divisé. Parole ça, mesdames et messieurs, li créé un pile problème aux États-Unis parce que ça, c'est le commencement de la guerre civile. M'bral fait entendre Green qui t'a parlé et élaboré sous déclaration ça, li t'a parlé dans une dans télévision conservative des États-Unis. Et selon lui-même, n'est pas de démocrate qui sortit dans un État qui visitait un autre, il est sa invasion. Non seulement il parlait de immigrants qui envahissent le pays des États-Unis, mais je dis en là, en pile dans le monde qui fait partie républicain, déclaré démocrate qui visitait ou bien qui habitait dans l'État républicain, c'est envahi qui vient envahir l'État. Et la proposer une séparation totale. Mesdames et messieurs, si vous ne pensez pas qui est dangereux, bagay ça dangereux, bon, m'expliquez-vous. Ça, dame, ça a proposé là, c'est complètement contraire de sa loi pays a dit. Li, c'est un député qui votait et signé, sémenté pour le protéger la pays a, et la prêcher division. En outre, majorité le Green, dans la déclaration de l'État fait, côté que, pour lui-même, démocrate pas américain, il y a ces gens qui viennent envahir le pays des États-Unis. En nous écoutant Green. Excusez-moi, mesdames et messieurs. I think that, you know, red states could choose in how they allow people to vote in their states. For example, over the past couple of years, we've seen a mass exodus from California and New York, where we've seen people fleeing those leftist policies and moving to states like Florida, Georgia, Texas, you know, states where they like the tax policies, they like the schools, they like the consequences of Republican and red policies. What I think would be something that some red states could propose is, well, okay, if Democrat voters choose to flee these blue states where they cannot tolerate the living conditions, they don't want their children
taught these horrible things, and they really changed their mind on the types of policies that they support. Well, once they move to a red state, guess what? Maybe you don't get to vote for 5 years. You can live there, you can work there, but you don't get to bring your values that you basically created in the blue states you came from by voting for Democrat leaders and Democrat policies. But this would be up to red states to be able to choose to do something like that, so that their red states don't get changed, which is what's happening, unfortunately, when Democrat voters leave their Democrat states and they take their Democrat votes with them. That would be something that these red states would have to really consider and choose to do. But I'm a big believer in freedom, Charlie, but I'm also a big believer in defending our ability to pursue life and liberty and happiness. And the left is completely destroying that for those of us on the right. Mesdames et messieurs, est-ce que vous entendez? Ça, c'est parole qui sont dans la bouche d'un député des États-Unis, un leader dans la politique qui a le pouvoir et qui est capable de faire changement dans le pays. Il propose une séparation totale. Et Jean Keldil, en un sens, démocrate, pas américain. Ça veut dire, si un démocrate laisse un État démocrate et un État voyager dans l'autre État, il n'a pas capoté valeur avec lui. Ça veut dire, il n'a pas voté pour 5 ans. Automatiquement, majorité de Green déclaré, il pourrait éliminer le droit de vote pour un Américain, parce que l'Américain ne sait pas quoi dans les choses qu'il croit. Il n'a pas quoi dans les gens qui croient dans la religion. Il n'a pas quoi dans une série de choses qui croient. Dans ce sens, il n'est pas américain. Et il demande pour une séparation faite. Et à la fin, il dit comme ça que moins quoi dans la liberté. Mais dans ce sens, nous voulons protéger les droits nous ou bien façon de vivre nous. Et il ajoute dans l'autre bagaille. Démocrate a enseigné Timounio des bagailles horribles. Qui ça l'a parlé là? La parlé de bataille que Ron DeSantis décide pour le faire en Floride. CRT. Black history, c'est bagay sa yo. Aussi, bagay qui nous relie système raciste. Côté que dans le système, il y a une façon que les design, les créer pour qu'il y ait une minorité toujours dans la misère. Bagay sa yo, si vous parlez de yo, ou pas américain. Si vous supportez immigrants, ou pas américain. C'est bagay sa yo qu'il a parlé là. C'est ça même qu'il voulait pour que l'État démocrate yo, pour diviser. Des États républicains ont créé deux différents pays en dans les États-Unis. Pour qui ça que m'a partagé bagage avec nous? Il y a toujours. Mais vous me dites pour qui ça? Élection gain conséquence. Lorsqu'on choisit un monde, on met le sous pouvoir. Volonté li, croyance li. C'est bagage ça qui est capable de primer et prendre contrôle le pays. Peut-être on a dit ah, c'est majeur qui a parlé. Il va gain force pour faire changement ça yo. Mesdames et messieurs, ou besoin de 2, 3, 4 monde dans la majorité de Green pour changer un pays. Et si par hasard, tu as une chance, immigrants pour exister aux États-Unis. Conseil de bagages qui peuvent faire dans le pays. Aux États-Unis, tu as tout un pays autocrate. Jean que vous connaissez autocrate là. Ça veut dire, mesdames et messieurs, si nous parlons de bagages pour empirer dans le pays, c'est nous-mêmes qui devons travailler pour nous éliminer. Nous avons un autre partager avec nous. Nous songeons autre jour, pendant que Biden a parlé dans State of the Union, il a mis un piège pour les républicains. Côté que le force yo, pour yo dire qu'il n'y a pas éliminé Social Security. Nous songeons pas ça. Right? Ok. Et même côté, à même, nous avons un républicain qui sorti qui dit non, ce n'est pas vrai. Biden exagéré. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas un plan pour détruire ou éliminer Social Security. Mesdames et messieurs, oui, c'est vrai. Républicain gen plan pour éliminer social sécurité. Li pon secret yo deal. M'pral partager un l'autre interaction avec nous. Nous gagnons Chris Wallace, c'est un journaliste qui travaille pour Fox News. Nous connaissons Fox News, li c'est une télévision conservative. C'est là que tout républicain parle. Eh bien, pendant que Chris Wallace a parlé avec Rick Scott de Floride, un républicain. Chris Wallace dit bon, moi senti que l'hypocrite, son hypocrisie, parce que
Nous disons que nous ne pouvons pas augmenter la dette ceiling là à cause du déficit. Mais est-ce qu'on est d'accord pour éliminer tax cut que Trump a passé? Parce que c'est lui-même qui cause l'augmentation des dettes là. Est-ce qu'on est d'accord pour faire? Mais interaction, Fox News host, relais, sénateur, hypocrite. Parce qu'il a parlé de dette ceiling, mais il n'a pas voulu puis admettre que Trump lui-même il était fait en pile bagaille pour cause mess que nous la dans aujourd'hui là. C'est pas seulement ça. Yo joigne que les républicains et spécialement Mike Pence, mesdames et messieurs, qui gagne intention pour venir président en 2024 déjà a marché et proposé élimination de social sécurité. Medicare avec Medicaid ou bien si yo pas éliminer privatiser. M'boil fin tan de Mike Pence avec propre bouche par le cap palé, qui propose bagay sa comme yon candidat à la présidence. Et qui sa ke l dit? Et c'est ça ke l dit à qui est important, m'boil explique il après qu'il fin palé. En nous coude Mike Pence ensemble. We have to have a conversation about reforming entitlements in the days ahead. I think we can replace the New Deal programs with a better deal. I think in Social Security, you can keep all the promises that you made to seniors. You can, people that will retire within the next 20 years, no changes. But to give options to younger Americans to invest a portion of their Social Security in a private savings account and get a better deal, I think is an idea whose time will come. Do you think there's also an appetite for that? Look, it's all about leadership, Sandra. I really believe that. Vous entendez, oui? Mike Pence, qui a intention pour venir au candidat à la présidence, a parlé qui ça qu'elle pourrait le faire avec social sécurité. Même journaliste là, de Fox News, pose une question. Ou pensez qu'il y a un appétit pour bagarrer ça, veut dire ou croyez que le peuple n'a pas l'accepté? Qui ça qu'elle dit? Il dit, il dépend de leadership. Ça veut dire que si leader à lui-même, il décide pour le changer, quel que soit sa peuple à table, ça n'est pas important. Parce que le président lui-même, leadership là, lui-même, il a un pouvoir pour décider, pour changer les bagailles. Parce que sinon lui-même, il connaît qui est bon pour la population. Malgré que l'affaire cause éliminer social là, il n'est pas populaire du tout. Pas un monde aux États-Unis qui encourage pour éliminer les bagailles ça. Mais Mike Pence, par côté, il faut qu'on ait que, il dépend de leadership. Ça veut dire, il est tout prêt pour éliminer social sécurité avec un site de notre programme, entre autres, mes programmes. Si pas à lui-même, il a ce pouvoir. Et comme on fait qu'on est, c'est un monde qui a demandé pour le président qui a prévité bagay sa yo. En nous écoutant Mike Pence encore qui a parlé sur le même sujet ça. Attendez. I'm glad to see the Republican majority saying we need to use this debt ceiling to start us back in the direction of fiscal discipline. But look, we all know where the real issue is in terms of long-term debt for the United States. And that is that, while I respect the Speaker's commitment to take Social Security and Medicare off the table for the debt ceiling negotiations, we've got to put them on the table in the long term. And right now, President Biden's policy is insolvency. Mike Pence, littéralement, il va pas à ce côté. Il va voir le wash caché main. Il dit. Il dit que malgré que Kevin McCarthy retire option ça sous table parce que Kevin voulait utiliser ça comme une négociation. Ça veut dire que nous pouvons négocier si pour nous d'accord pour augmenter cette ligne, non? Faut que nous éliminer social sécurité, faut que nous éliminer Medicare Medicaid. Il dit que on comprend, capable comprendre que c'est ça Kevin voulait faire. Mais m'a dit nous sincèrement, nous devons visiter bagay ça. Ça veut dire que nous devons travailler pour nous éliminer social sécurité. Nous devons travailler pour nous éliminer bagay ça yo. Parce que plan républicain vraiment malgré avec ses courir loin li, c'est ça même qui voulait faire. Article la sorti. Mike Pence voulait couper Medicare, Medicaid avec social sécurité. Il voulait pour que Kevin McCarthy utilise yo comme yon plan pour faire bargain ou bien pour négocier avec démocrate pour capable augmenter dette ceiling là. Mesdames et messieurs, pour qui ça m'a parlé bagay ça avec nous là? Pour qui ça m'a dit nous bagay ça? Parce que li important pour nous capable comprendre ça qui a passé là. Parce que si nous pas comprendre yo,
nous pas gen problème spécialement pour nous-mêmes. En pile moun qui gagne un plan pour capable pour pile moun tout monde qui gagne un plan pour capable et pour retraite. Parce que mesdames et messieurs aux États-Unis, selon ça qui est montré, selon statistiques et bureau qui fait recensement, qui est le Census Bureau, les montre, mesdames et messieurs, Américains de l'âge 55 à 66 années, pas un 5 hommes qui économisé pour capable prendre retraite. Est-ce que vous entendez? En pile américain, dans l'âge ça, 55 à 66, pas un 5 hommes pour prendre retraite. Ça veut dire, moun sa yo, mesdames et messieurs, qui fin, passe tout le temps yo, ap travail, le yo prend retraite yo, yo pap jouen kob pour prendre soin de yo. N'a mande kon y a la, qui sa ki pral rive moun sa yo? Qui sa yo pral fè? An nou di kon sa ke le République décide pour yo éliminer social sécurité. Qui sa pral passe grand moun sa yo? Moun sa yo ki vin travail pour toute vie yo, ki gen espoir yo pral vin anti kob dans social sécurité. Malgré le pas en pile, mais c'est un espoir quand même. Mesdames et messieurs, nous songez, nous connaissons bien, bon, nous songez, je capable de dire, lorsque plan pour le monde prendre retraite, il y a trois chambres, trois mamites. Ou te gen sa ki rele pension, ça c'est en premier, ou te gen trois bokits, pension. Ou te gen après pension, ou ven gen sa ki rele social sécurité. Troisième, c'est investissement. C'est trois bagages ça yo. Qui composait espoir au monde longtemps, là pour retraite. Pension, social sécurité, avec investissement. Nous connaissons que pension disparaît. Pension pas existé encore. Depuis quelques temps, la très rare pour travailler dans une compagnie qui prend le bon pension lorsque vous finissez de travailler pour vous. Ou que vous travaillez 30 ans, 40 ans pour vous. Ou fini, ou pas gain en rien. C'est-à-dire que pension est éliminée. Deuxièmement, nous gagnons deux crédits. Social sécurité avec investissement. Social là, c'est les mêmes qui nous parlent de lui souvent. Ou fin de travail pour toute vie, ou paye taxes. Lorsque au grand monde qu'on y a là, pays a bon l'argent. Actuellement, républicains voulaient éliminer. Investissement presque pas existé. Parce que comme nous tenons là, monde de 55 à 66 années aux États-Unis, pas gain 5 ob. Qui ont économisé pour qu'on prenne soin de yo. Mesdames et messieurs, regardez ça montre là. Website ça là, c'est Social Sécurité Administration. Si par hasard, vous avez qu'on est combien cob ou pas le recevoir lorsque grand monde, moi m'encourage à sur site ça pour aller checker combien cob ou pas le recevoir parce que tout le monde qui travaille aux États-Unis, ou capable aller sur website ça là pour combien cob ou pas le recevoir lorsque vous prenez retraite. C'est très important. Maintenant, bon parler avec nous, moun nan live sa yo, peut-être qui peut encore 5 ob qui économise. Et m'kwe gen pile nan nous, si tu haïtien, parce que en pile nan nous vini sit ta, commencer à zéro, n'a paye bill, n'a voye kob en Haïti, donc, faire économie pour retraite, li pa un bagay qui m'pense qui en pile nan nous gagne. Mais mesdames et messieurs, bon m'di un bagay, an nous dit que ou ta nan condition sa, kote que pa gen 5 ob. Ou presque arrivé dans l'âge que de coup ou pas le guitare ou pas le retirement par un 5 ob. Est-ce que tout est fini? Non, tout n'est pas fini. C'est difficile, on connaît ça. Mais il y a une façon capable faire quand même pour aider ou. Ou qu'on n'a pas capable un luxe, mais il y a une pile façon qui ou même capable joindre une façon pour vivre. Il y a plusieurs bagages pour considérer. Premièrement, c'est l'âge. Quel âge qu'on est qu'on y a là? Dans l'âge qu'on est, il va déterminer qui ça peut pas le faire? Plus agressive ou moins agressive pour capable joindre une façon pour vivre le grand monde. Deuxièmement, dépenses. Combien de dépenses pour aujourd'hui là? Dépenses, ça veut dire que caille, machine, lumière, manger, rad, combien cob que ou dépenser aujourd'hui là pour penser tête. Ça ou de considérer. Après ça, l'on considère dépenses. Combien cap entrer? Combien cob qu'on gagne qui est en côté? Combien assets qu'on gagne? Est-ce qu'on gagne caille? Est-ce qu'on gagne machine? Qui bagaille qu'on gagne qu'on y a là cap pour ton petit l'argent bas? Est-ce qu'on gagne cob qui est en côté? Combien lié? Caille qu'on gagne? Qui gros c'est que lié?
Combien le vaut? Est-ce que vous avez valeur sous lui? Ou bien vous devez sous lui? Tout ça, vous devez connaître. Finalement, vous avez besoin qu'on ait risque, tolérance. Ça veut dire que combien risque vous prenez? Ou de mettre tout bagage ensemble pour capable imaginer comment la vie ou pour aller l'offre une pour retraite ou pas doué considérer job l'offre calculer bagage ça yo parce que ou pas travail ou toujours considérer ou pas travail parce que plan retraite la même c'est pas travail il va faire sens ou pas tout du travail l'autre grand monde ou de gon chance pour vivre yon ti vie en paix donc ou doit prendre tout bagage ça pour mettre yo sous table là et ou doit faire ça jodi en là. Ça veut dire que, pendant que nous venons parler là, ou devons lever sur chaise là, commencer travail pour qu'on ait qui ça qu'on peut le faire. Parce que c'est important pour commencer faire plan pour même, pour demain. Ou devons chercher un monde, un professionnel, pour chita avec elle, qui est capable d'aider ou naviguer bagay ça. C'est pas un bagay facile, mais pas impossible. Si pas ça ou pas économiser 5 ans, ou pas gagner économiser. Eh bien, il y a une autre façon. Il pas forcément qu'on besoin économiser un peu l'argent, non. C'est qui Jean ou pas joindre cob qui vous prend soin jusqu'à ce qu'on mouri. Et ça veut dire. Et ça fait que ou de garder pour connaître qui ça qu'on gagne avec petit cob social là qui peut-être qu'on retirer, mais si on pas retirer, on capable toujours garder sous lui. Qui ça qu'on gagne capable transférer pour convertir en l'argent? Et pour permettre que ça qu'on gagne, il est capable de boire l'argent jusqu'à ce qu'on quitte ça. Ça, c'est très important. Donc, mesdames et messieurs, nous devons que nous pensions ça très, très, très profond. Si par hasard, social éliminé, qui ça va le faire pour vivre? Je dis là, qui la joue? Est-ce qu'on jeune? Est-ce qu'on grand monde? Qui côté courrier? Combien la vie, qui ça la vie a pour aujourd'hui là? Comment on paye billet? Comment on dépense par mois pour vivre? Très important. Et ça fait que m'encourager en pile monde pour faire un budget. Si vous pouvez comprendre comment vous faites un budget, vous pouvez faire. Vous êtes toujours capable d'aller sur abdengel.com, nous avons une application que nous sommes capables de faire. Vous êtes capable de book une heure de temps consultation pour vous aider à acheter et faire un budget. Pour capable de connaître qui côté pour aller. Si vous ne connaissez pas les choses, mesdames et messieurs, ou tant que son monde qui vit dans ou aveugle, mon doit connaître. Parce que quand vous voulez, quand vous ne voulez pas, il y a un jour quand même, l'air privé, quand vous ne pouvez pas travailler. Pas de monde qui veut un bon job encore. Dans ce sens, c'est vous-même qui pouvez connaître qui ça que vous pouvez faire pour vivre. Je vous encourage à ne pas ignorer les choses. Parce que même l'on ignore, il ne peut pas éliminer. Il est toujours là. Non, pas M. Abner Jolin. Pour Haitian Public Media, passez une très bonne journée. Bon Dieu bénin. Bye bye.